Bonjour, bienvenue dans la première édition de Movie, le magazine des solutions hydrogène. Décarbonation des transports, de l'industrie, des bâtiments, l'hydrogène offre déjà des solutions concrètes et opérationnelles. Dans ce numéro, découvrons deux technologies clés, l'électrolyse qui permet de produire de l'hydrogène à partir de molécules d'eau et la pile à combustible qui produit de l'électricité à partir d'hydrogène. Et je vous propose de découvrir leur application concrète dans le domaine de la mobilité. Reportage. Un des principaux enjeux aujourd'hui pour l'hydrogène, c'est la décarbonation de l'industrie. En région parisienne, une usine fabrique des électrolyseurs qui permettent de produire cet hydrogène en grande quantité. Nous sommes à l'usine d'arrivage d'Eugène aux Ulysses. Cette PME qui développe des électrolyseurs illustre parfaitement le développement industriel de notre filière. Allons en parler avec Pascal Pevinsky. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Alors Arrivage de Gênes est une PME de la filière hydrogène en plein développement. Tu peux nous rappeler le cœur de métier ? Bien sûr. Arrivage de Gênes, c'est une entreprise qui développe, conçoit, fabrique et vend donc des générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau, à partir donc d'eau et d'électricité. Et puis la technologie que l'on emploie, c'est de la technologie à membrane échangeuse de protons, c'est-à-dire de la technologie dite PEM. Alors, sur l'électrolyse, on va en savoir un petit peu plus tout à l'heure avec un de tes experts qui va nous en parler. Et puis ça tombe bien, il en sait beaucoup plus que moi. Donc, si on revient sur ce que vous fabriquez, les équipements, c'est destiné à qui ? Alors, ces électrolyseurs sont utilisés donc, pour produire de l'hydrogène décarboné, puisque l'hydrogène industriel est un secteur qui est très fortement émetteur de CO2. Et donc, si on produit cet hydrogène à partir d'énergie renouvelable, à partir d'électricité verte, alors on a décarboné cet hydrogène. Et puis ensuite, il y a le marché de la mobilité. Et donc, nos générateurs d'hydrogène peuvent être installés sur des stations-service à hydrogène. On va voir tout à l'heure un équipement. C'est impressionnant que vous terminez d'assembler. Cet équipement, il va partir où ? Alors, cet équipement, il est destiné à une station-service de poids lourd. Donc c'est un électrolyseur qui fait 140 normomètres cubeurs et qui va produire l'hydrogène qui sera ensuite distribué dans des poids lourds qui eux-mêmes font du tri et de la collecte de déchets. Vous n'êtes pas tout seul pour concevoir et fabriquer ça. On a énormément de sous-traitants qui vont nous construire les briques intermédiaires que nous allons finir d'assembler en fait ici dans nos ateliers aux Ulysses. Eh bien merci Pascal et on va en parler tout de suite avec l'un d'entre eux. Merci Stéphanie. Philippe Grasset, bonjour. Votre société Onex a beaucoup contribué à la réalisation de cet équipement assez impressionnant. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, une rapide présentation d'Onex. Onex œuvre dans la chaudronnerie depuis plus de 40 ans. Pour répondre à votre question, oui, Onex a contribué sur son métier à la fabrication de cet équipement, hein, dans la réalisation des réservoirs sous pression, hein, et de la mise en skid de l'ensemble. La mise en skid étant le positionnement des réservoirs sur un châssis en intégrant l'ensemble des équipements, les éléments de mesure de débit, de température, de pression, avec toute la connexion des tuyauteries, quoi. Et qu'est-ce que vous apporte votre collaboration du coup avec une entreprise comme Arrivage de Gênes ? Nous sommes historiquement positionnés sur le marché de la pétrochimie, où il est essentiel de prendre le chemin des énergies renouvelables telles que l'hydrogène. Donc c'est éminemment stratégique et c'est essentiel pour notre avenir. Merci beaucoup. Merci. Le principe de l'électrolyse est plutôt simple, mais la mise en œuvre est complexe. C'est pour cela qu'Arrivage de Gênes collabore avec des spécialistes du sujet. Parlons-en avec Pierre Millet. Bonjour. Ça fait de nombreuses années que vous collaborez avec Arrivage de Gênes. Donc on parle ici d'électrolyse, un principe assez simple, mais un procédé plutôt complexe. Il faut comprendre qu'on parle d'un réacteur, au sens réacteur chimique. C'est un volume à l'intérieur duquel on injecte de l'eau. Voilà. Et la particularité, c'est qu'on alimente ce réacteur en courant électrique, qui conduit à la réaction de base que tout le monde connaît. H2O donne H2 plus 1,5 de O2. Et donc, sort du réacteur de l'eau et de l'hydrogène d'un côté, de l'eau et de l'oxygène de l'autre. Et le bilan, c'est que lorsque l'on forme de l'hydrogène et de l'oxygène, ces deux gaz séparément emportent avec eux la valeur de l'énergie qui a été apportée par le courant électrique. C'est donc un moyen de stocker l'énergie, les gaz étant plus faciles à stocker et à transporter en vue d'une réutilisation en temps différé. Et donc l'électrolyse est considérée comme une technologie importante dans le cadre de la transition énergétique et du stockage des énergies renouvelables. Merci beaucoup.
derrière moi fonctionne au gazole. L'hydrogène pourrait être une alternative avec la pile à combustible. Allons dans le sud de la France rencontrer un des principaux acteurs de cette technologie. Bonjour, nous sommes à Aix-en-Provence où nous avons rendez-vous avec Benoît Vézy qui dirige Elion Hydrogène Power. Bonjour Benoît. Bonjour Stéphanie. Alors Elion Hydrogène Power, c'est 20 ans de R&D dans la pile à combustible. Tu nous en dis quelques mots ? Oui, effectivement, Elion Hydrogène Power, c'est 20 ans de développement de technologie pile à combustible, technologie d'électrolyse. Et en fait, ces développements dans un mode R&D nous ont permis aujourd'hui de passer un nouveau cap, qui est le cap de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer aujourd'hui avec des capacités industrielles qui nous permettent de faire 800 stacks par an pour nos clients. Alors avec ce nouvel équipement qu'on voit juste derrière nous, vous avez franchi un cap. Effectivement, c'est typiquement le type d'outil qu'on utilise maintenant, qui est un outil d'assemblage de cœurs de pile. Donc ça nous permet effectivement d'avoir des cadences importantes par rapport à ce que nous faisions avant avec des presses manuelles, des systèmes de montage, d'assemblage manuel. On est capable d'avoir des coûts réduits sur la fabrication de ces équipements-là et on est capable d'apporter une qualité, donc une fiabilité pour nos futurs clients. Et donc ces cœurs de pile, ces stacks, ils sont destinés à quels usages ? Alors en fait, les piles à combustible qu'on conçoit et qu'on vend sont destinées en fait à des applications plutôt dites de forte puissance avec des applications d'une part stationnaires, c'est-à-dire des générateurs électriques temporaires comme des groupes électrogènes, mais aussi des applications de mobilité lourde comme le train par exemple ou comme des bateaux. Donc cette technologie-là permet effectivement de décarboner à un moment donné des énergies existantes qui sont à base de diesel par exemple. Très bien. Et vos objectifs à terme ? En fait, Elion Hydrogène Power aujourd'hui, c'est une volonté de prendre une place dans la transition énergétique, c'est-à-dire l'utilisation d'un hydrogène propre pour fabriquer de l'électricité avec une technologie qui elle-même est propre. Donc une place très importante sur la chaîne de valeur hydrogène. Merci Benoît. Merci. Alors nous avons vu l'outil industriel, on va maintenant aller voir à quoi ressemble le produit fini. Bonjour Franck. Bonjour Stéphanie. Alors on a vu que Elion Hydrogène Power industrialise ses solutions hydrogène. On est justement devant un de vos équipements, tu nous le présentes ? Alors vous trouvez ici ce qu'on appelle chez nous le Fuel Cell Rack, qui est en fait une brique technologique composée de 4 stacks, un compresseur d'air, et c'est cette brique que l'on industrialise pour atteindre jusqu'à 2 MW dans un conteneur 40 pieds. Franck, 2 MW dans ce type de conteneur, c'est pour quels usages ? Donc on travaille sur les applications de mobilité lourde, typiquement là pour faire du fret ferroviaire, la propulsion dans des barges à hydrogène, c'est le projet e-barge en Occitanie, où là on va intégrer une brique de ce type-là. Donc ça c'est de la mobilité, mais Benoît nous a également parlé d'applications stationnaires. Tu peux nous donner quelques projets concrets ? Un village isolé en Guyane de 1000 habitants, où on va substituer les groupes électrogènes par une solution complètement décarbonée, photovoltaïque, batterie et batterie hydrogène. Très bien. Et des applications pour de l'alimentation temporaire ? Et l'alimentation temporaire avec notre partenaire Delta Service Location, où là on va se focaliser sur l'événementiel, les Jeux Olympiques en ligne de mire par exemple. Merci, on va justement aller en parler avec lui. Merci. Xavier Denis, bonjour. Bonjour. Alors Delta Service Location va bientôt intégrer les solutions hydrogène ? Effectivement. Delta Service Location est l'un des principaux acteurs en fourniture d'énergie temporaire et en solutions de pompage provisoire. Ces offres pour nos clients s'appuient sur l'utilisation du groupe électrogène qui fonctionne avec un moteur thermique alimenté par une énergie fossile, le GNR. Nous avons l'obligation de nous réinventer sur ces prochaines années pour faire face aux enjeux environnementaux. Et pourquoi avoir préféré la solution hydrogène ? Elle semble nous donner le meilleur compromis entre les caractéristiques techniques d'une part, mais aussi la viabilité économique. Avec Elion, nous avons trouvé un partenaire qui offre le produit qui a toutes les caractéristiques que nous attendons. Une capacité à faire durer le projet dans le temps. Merci beaucoup. Merci. À l'hydrogène, c'est rouler zéro émission. Découvrons ensemble une compagnie de taxi qui n'utilise que des véhicules à hydrogène.
Bonjour Mathieu, ça fait maintenant 5 ans que tu t'es lancé dans le taxi à hydrogène en Ile-de-France. Tu peux nous présenter rapidement ta société ? Donc la société que j'ai fondée en 2009 s'appelle la STEP, Société du Taxi Électrique Parisien. Et l'objectif de la STEP, c'était de trouver une solution pour que les taxis et les VTC puissent continuer à travailler, mais en arrêtant de polluer. Donc de 2009 à 2014, on a essayé de le faire sans succès avec des véhicules électriques à batterie. Et en 2014, des constructeurs ont sorti des premiers véhicules de série comme celui-ci. Et donc on a pivoté sur l'hydrogène et on a pu lancer, quelques mois après, pendant la COP21, les 5 premiers taxis Hype, la première flotte de taxis à hydrogène. Et aujourd'hui, combien de taxis dans la flotte ? On en a aujourd'hui plus d'une centaine. On vise 600 véhicules avant la fin de cette année et ça n'est que la première étape. Effectivement, une flotte d'envergure. On est allé à la rencontre d'un de tes chauffeurs dans le cadre du salon iEvolution qu'on a tenu au Parc Floral en février dernier. Je te propose de l'écouter. On est donc dans un taxi qui roule à l'hydrogène. Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne ? Oui, donc c'est une Toyota qui fonctionne avec une pile à combustible. Donc c'est un véhicule zéro émission, propre, qui rejette des gouttelettes d'eau. Je fais le plein le matin, ça prend 5 minutes, avec une autonomie de 400 km pour la journée. Donc là, effectivement, nous n'entendons pratiquement rien, si ce n'est les pneus sur la route. Voilà. Et comment réagissent les passagers ? Quand ils montent dans un taxi hydrogène ? Les passagers sont enthousiastes, ils posent des questions, ils sont ravis de rouler dans une technologie moderne et du futur. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ta réaction à cette vidéo, donc les chauffeurs Hype, ce sont de bons ambassadeurs de la technologie hydrogène. De très bons ambassadeurs, et on a bien vu, le chauffeur l'a dit, il n'y a pas de contrainte liée à la recharge. On recharge en quelques minutes et on a tout de suite une autonomie équivalente à celle d'un véhicule classique, d'un véhicule thermique. Et le deuxième élément, c'est ce qu'il a mentionné, c'est que c'est ce qu'attendent les clients. Les clients veulent maintenant pouvoir voyager dans des taxis qui ne pollueront plus. Il y a des partenariats mis en place ? Quand on a lancé Hype, on l'a fait en partenariat avec Air Liquide et avec lequel on avait déployé dès décembre 2015 la première station Place de l'Alma. Aujourd'hui, on opère sur 4 stations, dont 2 stations aux aéroports, et on va déployer, dans le cadre d'une nouvelle société qu'on a créée qui s'appelle ICETCO, 2 nouvelles stations d'ici la fin de l'année, dont une avec le soutien de la ville de Paris qui sera située Porte de Saint-Cloud. Et la suite, c'est d'être capable de proposer cette solution à tous les taxis parisiens sans qu'ils aient besoin d'être salariés chez STEP, mais de leur proposer en tant qu'indépendants de passer à l'hydrogène. Donc de belles perspectives à venir encore. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup Stéphanie, à bientôt. Ce magazine est maintenant terminé. Merci et à très bientôt.